La salle de conférence du Centre national d'appui à la promotion de l'économie sociale et solidaire, CENAPES, a abrité le jeudi 18 juillet un atelier de sensibilisation sur les opportunités d'emploi et entrepreneuriat vert, une activité menée dans le cadre du projet Go Green de la SNV Mali. Nous sommes là ce matin dans le cadre de la formation des jeunes, formation et sensibilisation dans le cadre de l'opportunité d'emploi vert. Et qui dit l'emploi vert parle automatiquement du changement climatique. Vu que nous subissons tous les conséquences du changement climatique, donc le SNV, en collaboration avec Go Green, nous a sélectionnés pour venir vraiment aller vers nos pères jeunes, les étrangers sensibilisés dans le cadre de l'entrepreneuriat vert. Voilà, maintenant, ça pousse vraiment les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat vert pour qu'ils puissent faire du mieux avec ça. Après, on a une cinquantaine de jeunes qui sont là aujourd'hui ce matin dans le cadre de cette formation. Ces jeunes-là viennent du district, les 6 communes du district de Bamako. Voilà, c'est eux les bénéficiaires, y compris du commune 1, du commune 1 jusqu'en commune 6. Ils sont tous là. Des membres de plusieurs organisations de jeunes ont pris part à la session de sensibilisation. Il s'agit entre autres des jeunes du Conseil national des jeunes, CNJ, de l'Association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JUVE Mali, ou encore du mouvement Mali Propre. Cette formation m'intéresse, vu que j'évolue énormément dans la restauration. Dans les jours à venir, pourquoi pas d'aller dans l'agro et business. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, à avoir plus de connaissances et puis pourquoi pas d'idées pour m'accentuer, pour voir dans quel domaine je peux m'orienter, quelles sont les opportunités pour moi dans l'avenir. Et ce que moi j'ai retenu, c'est qu'on peut entreprendre tout en protégeant l'environnement. Il y a beaucoup de projets qui peuvent nous apporter. En faisant beaucoup de projets aussi, ça nous apporte à protéger l'environnement. Donc, pour la production de l'agriculture, on nous interdit vraiment d'utiliser les produits chimiques parce que ça fait que ça détériore la terre. Donc, il y a des produits organiques qui ne font pas de méfaits pour la terre et puis ça permet la terre aussi d'être plus riche davantage. Au cours de l'atelier de sensibilisation, les participants ont appris à associer le respect de l'environnement à leurs activités entrepreneuriales. Et bien, j'ai utilisé, mais chaque fois, il est obligé de faire ça. Si on a dit ça, on est bon. Mais, et bien, j'ai utilisé déjà, et bien, j'ai beau mon écho là. Et bien, l'eau est déjà fertilisée. Nous, on a fait un maraîchage. Ça, c'est, on a fait l'élevage, la pêche, l'agriculture. C'est ça, non? Maintenant, au Kerefe, il est Bamara qui est par exemple, parce que Barigatini, c'est résistant. Non seulement, il y a des gens qui utilisent et font des choses, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui font des choses. Et au delà de Bani, c'est que il y a des choses qui sont techniques. Court terme, moyen terme et long terme. Quel qu'en soit, il y a des gens qui font des choses, il faut essayer d'aller vers ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, mais il faut qu'il y ait des fins d'eau qui créent, il y a des gens qui font des choses à court terme. Maintenant, il y a un moyen terme et un long terme. C'est-à-dire, un exemple pratique. Moi, je suis pragmatique. Il y a un terrain qui évolue. Il commence à la culture qui a été ni arbre fruitier. Il y a un numéro par exemple. Il y a un long terme. Non seulement il y a un forêt protégé, au long terme. Maintenant, au corps, il y a un fourrage qui a une pisciculture. Il y a un moyen terme. Parce qu'il y a un jégé. Et fin 4 mois. Au Kerefra là, il y a Narobo. Il y a ok. Il y a un moyen terme donné. Court terme, selon les essences. Par exemple, il y a un citronnel, court terme. Parce qu'il y a 2 semaines, 1 mois. Maintenant, au Kerefra, il y a un Bamara. Au moyen terme. Donc, c'est-à-dire sans baie. Et bien, c'est un Warsaw. C'est-à-dire, jega ibe klara ekilibere jega be bok mamina oniga tuma ki bok ma be jaya nyona donc sans be ebe ce qui est fait tu es salarié à ton niveau peut-être
C'est une idée, entre parenthèses. Oui, quelqu'un peut donner d'autres idées?